jours les amis de santé et divertissement, Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Les jolies lèvres roses sont un trait du visage attrayant, en particulier chez les filles et les femmes. Cependant, beaucoup de femmes souffrent de lèvres sèches, opaques et inodores, qui semblent désagréables. Si ces problèmes vous sont familiers, ne vous inquiétez pas. Vos lèvres ont juste besoin d'un peu d'amour et d'attention. Dans cet article, vous apprendrez comment obtenir de belles lèvres roses en un clin d'œil. Remède naturel pour obtenir de belles lèvres roses. 1. Utiliser les racines de grenade. Un remède à la maison populaire pour éclaircir les lèvres sombres et leur donner une couleur rose est comme suit. Écrasez les racines d'une grenade, mélangez avec un peu de crème froide pour former une pâte, puis l'appliquez sur les lèvres. Répétez ce traitement plusieurs fois par semaine pour augmenter progressivement la couleur rose de vos lèvres. 2. Préparez une pâte de curcuma et de lait. On croit qu'une pâte faite d'une cuillère à café de poudre de curcuma, une épice indienne populaire, et d'une goutte de lait froid élimine la décoloration des lèvres, leur laissant une apparence saine et rose. Appliquez simplement la pâte sur les lèvres et laissez-la reposer 5 minutes avant de la rincer à l'eau tiède. Faites-le tous les jours pendant une semaine et vous remarquerez une grande différence. 3. Utilisez le jus de betterave. Le jus de betterave agit comme un colorant naturel pour les lèvres, ce qui transformera temporairement vos lèvres en une couleur rouge cerise éclatante. Certaines personnes affirment également que le jus de betterave aide à éclaircir progressivement les lèvres sombres lorsqu'il est appliqué régulièrement. Vous pouvez utiliser le jus de betterave, soit des betteraves fraîches ou marinées, tant que le goût n'a pas d'importance. 4. Préparez un masque à lèvres à la framboise. Vous pouvez préparer un masque hydratant qui transforme vos lèvres roses en mélangeant deux framboises fraîches et broyées avec une cuillère à café de miel et une cuillère à café de gel d'aloe vera. Appliquez ce masque sur vos lèvres et laissez-le reposer 5 minutes avant de le rincer à l'eau tiède. Appliquez ensuite un baume à lèvres. 5. Essayez les pétales de roses écrasées. Les pétales de roses écrasées donneront à vos lèvres une teinte rose naturelle. Il suffit de frotter les pétales écrasés et frais, de rose rouge ou rose, sur vos lèvres pour leur donner une jolie couleur rose. 6. Appliquez de l'huile de moutarde sur le nombril. Cela peut sembler étrange d'une certaine façon, mais un ancien remède à la maison indique qu'un peu d'huile de moutarde placée dans le nombril pendant la nuit se traduira par des lèvres roses naturellement douces. Vous ne perdez rien à essayer. Conseil pour avoir des lips roses. 1. Exfoliez vos lèvres avec une brosse à dents. Une des meilleures façons d'avoir des lèvres roses de manière naturelle est de les exfolier régulièrement avec une brosse à dents avec du dentifrice. Appliquez le dentifrice pendant 1 minute. Tout ce que vous avez à faire est d'humidifier une brosse à poils doux et de frotter doucement vos lèvres par de petits mouvements circulaires. Cela détachera la peau morte et stimulera la circulation du sang vers les lèvres, en les ramollissant et en les rendant roses. 2. Préparer un gommage des lèvres. Une méthode alternative pour exfolier vos lèvres consiste à utiliser un gommage au sucre fait maison. Il suffit de combiner 2 cuillères à soupe de sucre blanc ou blond non raffiné avec une cuillère à café de miel et une cuillère à soupe d'huile de noix de coco biologique. Appliquez un peu de ce mélange sur les lèvres et frottez doucement de 30 secondes à 1 minute, puis rincez à l'eau tiède. 3. Humectate. Hydrater fréquemment et intensément vos lèvres est essentiel pour obtenir des lèvres douces et roses. Utilisez votre baume à lèvres hydratant préféré pendant la journée et répandez généreusement une couche de gelée de pétrole la nuit. Ceci est particulièrement important pendant les périodes où il fait très chaud ou très froid, car ces conditions entraînent le dessèchement des lèvres. Si vous préférez des hydratants plus naturels, appliquez du beurre de cacao, de l'huile de noix de coco ou même de l'huile d'olive sur vos lèvres. 4. Fondue complètement la nuit. Le maquillage de vos lèvres pendant la nuit peut les assécher et même les perdre de couleur. Assurez-vous de retirer votre rouge à lèvres et votre crayon à lèvres avec un nettoyant ou un nettoyant efficace avant de vous coucher. Il n'y a pas d'excuse.
Si vous êtes à court de démaquillant, un peu d'huile d'olive ou d'amande enduite sur une boule de coton enlèvera efficacement tout crayon ou crayon à lèvres restant. 5. Arrêtez de fumer. Le tabac dans le cigare peut tacher les lèvres, les rendant opaques et sombres. Par conséquent, une méthode infaillible pour améliorer l'apparence de vos lèvres est d'arrêter de fumer. Cela peut être difficile, mais vos lèvres, et vos poumons, vous en seront reconnaissants. Si vous aimez le contenu et l'information de la perte de poids, de la beauté et de la santé, rejoignez-nous dans le groupe Santé et Divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça, et nous rejoindre pour plus de contenu et de dynamique. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète et le cholestérol naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, pour la pousse des cheveux, conseils en amour, faites-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.